cadre. Ça, c'est quand les prestataires posent le Linky, et quand il est mal posé, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on veut faire du service public au rabais, en allant exploiter des camarades qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas de statut, effectivement, qui sont payés à la course, qui n'ont même pas de formation pour certains d'électriciens, voilà ce que ça donne. Ce compteur-là, en plus d'un point de vue écologique, que tout le monde soit bien au courant, c'est un compteur qui a une durée de vie grosso merdo de 10 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, il va falloir tout changer. Et actuellement, on a changé des compteurs qui étaient en parfait état de marche pour mettre cette merde à la place. Donc ça, c'est hors de question, c'est pas un outil du service public. On le dépose vers les fossoyeurs du service public qui sont la République en marche. Vous savez notre détermination à votre côté à refuser le démantèlement de l'entreprise EDF. L'EDF, c'est votre entreprise, c'est notre bien commun. Et si on la démantèle, ça revient à une spoliation du bien commun. Et depuis 30 ans que l'ouverture à la concurrence, la dérégulation, la déréglementation, on nous avait dit, vous verrez, ça fera baisser les prix. Ils peuvent continuer à répandre un mensonge, ça n'en fera jamais une vérité. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin hier, nous avons appris que le tarif de l'électricité allait encore augmenter de 1,6%. Et donc c'est 50% en 10 ans. Voilà à quoi conduit la dérégulation et la déréglementation du secteur de l'énergie. Donc votre combat et notre combat, c'est le nôtre. C'est un combat d'intérêt commun, usagers, salariés, main dans la main, pour refuser ce nouveau démantèlement et une future privatisation de l'entreprise. On lève le camp et on se revoit bientôt parce que toutes les semaines, il y aura ce genre d'initiative.